Frères et sœurs de l'Église baptiste de Nay, chers amis de Porto, nous saluons très chaudement et fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons bienvenue au programme d'études bibliques nous pour soir, programme que nous présentons chaque mercredi à partir de 9h. C'est bon bagaille pour nous étudier la parole de Dieu. C'est bon bagaille pour réfléchir sur route que bon Dieu lui-même les recommandait. Pour que l'homme soit capable de connaître un bien-être. Mais avant de nous arriver là, il faut songer que bon Dieu aime. Il est tellement aimé que lui a petit Jésus-Christ pour nous-mêmes, pour nous tous. Il est tellement aimé que le dit officiellement, clairement, il aime nous d'un amour éternel. Alors si ou pas appliqué, ou si nous-mêmes, ou même avec moi-même, nous pas appliqué nous à faire volonté, c'est va puis vous marque ingratitude. Insouciance tout et puis folie que nous allons adopter. J'espère donc que soir, on va prêter attention à ça que bon Dieu vient pour nous dire. À travers l'étude là, on va réfléchir ensemble avec nous-mêmes sur la Bible, sur la vie. Et on va prendre décision pour que bon Dieu gagne première place dans la vie. On nous baisse tête pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, papa, nous qui dans le ciel là, ou même qui crée nous, même qui fait nous à image et à ressemblance, ou même surtout qui donne nous le salut. Qui justifie nous par la foi, acceptez vos remerciements que nous avons eu dans le moment, ça, Seigneur, pour ça que nous venions, à partir du moment où nous avons Jésus-Christ comme sauveur. Et c'est parce que nous avons Jésus-Christ comme sauveur nous, qui fait nous remettre parole. Paul dit à Timothée, depuis jeunesse, on connaît les saintes lettres qui mènent le monde à la sagesse, au salut. Et c'est ça qu'on a fait, qu'on a, Seigneur, réfléchir sur les saintes lettres. L'écriture, ta sainte parole. Permettre qu'au fur et à mesure que nous avons étudié la parole, nous avons des voix au cap de nous, petite moins. Rentrez la caille, papa. Fais plaisir, papa. C'est ça que nous demandons à ceux, à Seigneur, pas que nous méritons grâce. Là-haut. Mais c'est dans le nom, petit. Jésus-Christ, sauveur, nous. Dans le nom, nous prions lui-même, qui vivre, qui régner au siècle des siècles. Amen. Chers amis, je voulais dire un merci spécial de ce que chaque semaine, dans l'heure, ça. Et dans l'autre jour, prêtez attention à programme l'Église baptiste Adonai. Vous venez apprendre avec le temps que nous mettons accent sur la vérité, sur la Bible, et nous utilisons tout type de moyens, tout type d'instruments pour avoir une interprétation qui est plus ou moins conforme à l'esprit de rédacteur et à l'esprit que bon Dieu t'a aimé que nous utilisons lorsque nous parlons de lui-même. Et toi, sur nous là, pas seulement live, non, pas seulement like, excusez-moi, pas seulement like du programme, non, ni share, ni seulement, non. Mais, fais-nous un million abonné à live ici là. Fais-nous un million sur les coulières et conseille pour l'abonner. Il va bon pour lui et il va bon pour même tout parce que bon, il va prendre note de l'effort qu'on fait pour que vous propagez la parole. À ce soir, nous gagnons un chant spécial que nous pourrions présenter là pour commencer. Et Chancela, il va présenter par la sœur Maude Mitteille-Déonville. La sœur Maude Mitteille-Déonville, c'est un membre très actif dans l'Église baptiste Adonai. Il chante pour nous dans le service New York. Il supporte nous, il supporte classe l'école du dimanche. Son sœur extraordinaire et son diplomate. Et c'est lui qui va chanter pour nous. En attendant donc, sœur Mitteille, dans un chant spécial que l'on a pour nous pour la soirée. Je l'aime, concourir
Satan sème le doute. Si l'orage éclate un jour, car la nuit voile ma route, je me fie en son amour. Pourquoi donc perdre courage? Je demeure, il m'aime encore, et pour moi chaque nuage a toujours sa frange d'or. Un grand merci une fois de plus à Sœur Maud Mété-Déonville pour un si beau cantique. Il parle le nom de comment on gagne assurance, comment on gagne stabilité lorsque c'est bon Dieu a servi ou gagne Jésus-Christ comme sauveur. Merci tout, maestro et Jonka, Billy Jonka, qui était accompagné, sœur Mété pour nous-mêmes. Sœur Mété, comme on dit encore, c'est une sœur qui est très fière de lui-même. Et c'est tout dernièrement qu'on l'avait expliqué nous, que était dans le même travail avec sœur Mété dans la diplomatie, un bagage qu'il fait pendant longtemps. Écoute, il y a la petite talent si là, à service de Dieu dans l'église baptiste Adonai. Nous allons ouvrir Bible dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 23. Matthieu 14, à partir du verset 23. Aussitôt après, Jésus-Christ obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de l'eau, sortit de la barque, et marchant sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Amen. Je dis, dans le cas d'étude, nous n'avons pas parlé d'un sujet, mais dis-nous, dans trois premiers mois, nous avons abordé des sujets qui sont vraiment palpitants d'intérêt, et nous n'avons pas abordé un sujet qui sujet tout le monde fait expérience, nous n'avons pas parlé là, nous n'avons parlé seulement de chrétiens devant les échecs de la vie. Bon titre là, en 22e chant, on compte pour ça. C'est pour carrer les amis, aux parents, aux compagnons de travail et enfin voisins pour dire au docteur Mario Valsin de l'église Baptiste Adonai. Après là, bon, donc sujet-là, nous tous nous faisons expérience ça. On entendait qui ça la Bible, qui ça bon Dieu, qui ça pasteur, après le dire non sur ça. Donc nous tous les bagages ici-là, c'est pour capable de mettre sur ça parce que ça, c'est parole par même quoi. Nous échouons dans différentes manières, dans différentes phases de la vie. Nous. Donc, il est important que nous réfléchissions sur ça, soit comme chrétien. Mais avant de faire ça, on n'a pas le temps de faire l'autre chant. Celle-là va présenter par Sœur Daniela Altidor. Sœur Daniela Altidor, c'est une musicienne tout d'ailleurs, c'est un membre de l'église Baptiste Adonai. C'est un monde qui travaille dans le domaine santé, c'est un monde qui supporte l'église là, il fait partie de chorale et ses amis nous. Mon Adonai connaît des vidéos, nous sommes très 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 bonnes sœurs, vous comprenez ce que ça veut dire. Ses amis, nos amis pasteurs, les amis Adam pasteurs, les amis famille, nous, très 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 bonnes sœurs.
On va arriver une bonne soirée, mais on va regarder, on va suivre, on va voir qui va comme ça, on va dire. Mando mon Adonai l'a dit. Nous, notre soeur Daniela Altidor, notre chance spéciale, que nous gagnons une deuxième chance spéciale, que nous gagnons pour programme dans ce avec vous. Donc, soeur Daniela Altidor. Les problèmes viennent pour ravager, tristesse découragée, toute porte fermée, non point moyen passé. Moi levé, non, moi bail mon Dieu, li tande l'aime prier, non point mon taille, mon Dieu pas déplacé. Cap campé devant puissance mon Dieu, si n'y la foi, la fée yo disparaît. Moi qu'on est route, la pas facile, épreuve yo difficile. Non point mon taille, mon Dieu pas déplacé. Joindre secours, puissance les forts, baguette plus grand passé. Les bails pouvoir pour nous marrer, pouvoir pour nous laguer. Non, bon Dieu, y'a tout circonstance changé. Non, point montagne qui a campé devant. Mon Dieu, si n'gai la foi, la fée yo disparaît. Moi connu route, la pas facile, épreuve yo difficile. Non point montagne, mon Dieu pas déplacé. Pour le fini, tentation pour le fini. Satan gagne pour le créer tout chrétien. Convoitise yo gagne pour aller. La chair gagne pour le craser. Non point montagne, mon Dieu pas déplacé. À camper devant puissance mon Dieu, l'aimerait des femmes et qu'aime pas bouleverser. Moi qu'on est route, la pas facile, c'est bref, yo difficile. Non, point mon taille, mon Dieu pas déplacé. Non, point mon taille. Devant puissance mon Dieu, signe la foi, la feuille disparaît. Moi qu'on est route, la pas facile, épreuve yo difficile. Non point montagne, mon Dieu pas déplacé. Une fois, merci beaucoup à Sœur Daniela Altidor pour un si beau cantique avec un puissant message. Pour mon cap coûter nos larmes, puis le monde a fait face à certaines montagnes qui très élevées, à des obstacles qui sont capables de craser toute vie ou détruire. Mais sous un bon Dieu comme papa, ou capable de nourrir l'espérance que pas gain montagne que lui pas capable de déplacer. Sous un bon Dieu, si là. J'espérais que chance là capable pousser haut à prendre la décision que bon Dieu attend de vous-même. À ce soir, chers amis,
nous voulons aborder ce sujet-là, le chrétien, les échecs de la vie. C'est souvent qu'on attendait quelques prédicateurs qui, peut-être, qui passent imbus de conditions de l'homme, qui parlent observer ce qui va passer dans la vie, hein. Ou bien qui prend la Bible là comme on ne va pas, un bagage qui va rien à voir avec la réalité de chaque jour. Ou qu'attendez au dos que sont chrétiens, on ne peut pas décourager, on ne peut pas échouer. Mais l'expérience, c'est que nous tous, à un moment ou à un autre de la vie, nous, c'est qu'on est échec. Ou bien qu'on est, je veux dire. Parfois, nous échouons nos examens. Nous échouons nos matchs. Si c'est mon gars qui fait sport, qui a joué au slay, qui a joué domino, nous perdus. Nous échouons en amour. Monde que nous t'es remis, que nous pensons d'avoir le marié, là, qui nous. Ou bien l'autre que nous t'es marié avec elle, et puis, quand elle a crasé. Nous échouons dans la vie spirituelle parfois. Nous échouons dans le ministère pastoral. Échecs sont des bagages qui sont extrêmement difficiles à accepter. Et il y en a de plus grandes lacunes de société noire. C'est que le pas apprendre, il pas apprendre nous comment nous devons vaincre l'échec. Alors que c'est une expérience qui fait partie du quotidien de chaque monde. Non seulement les bons bagages faciles pour nous rater un bagage, mais en général, ça qui est drôle, c'est que la société a presque pas le droit à monde qui échoue. On regarde des matchs de basket, match football tout dernièrement dans le Super Bowl. Là, il fait tout partout dans le soccer, tout partout. Quand le match a fini, l'équipe l'a perdu. Il tire la caméra sur le balade. Donc, la société a pas voulu ouais, qu'on échoue. Elle parle à l'hôpital, elle crie. Elle qui sort des sentiers. Est-ce qu'on te rentre? Mais, quand on échoue, on la guerre. Et l'échec en général, il engendrer une bonne émotion comme tristesse, comme colère. Comme frustration, confiance côté que notre tête ou l'y attaquer. Et très souvent, tout le bagage côté quoi là-dedans ou à questionner. Dans la Bible, nous avons un pile grand leader spirituel qui dit rendez-vous tout avec échec. Ça fait nous voir de quitter le monde, fait nous comprendre que échec c'est bagage Satan. Il y en a un monde qui échoue très piteusement dans le ministère, c'était Moïse. Moïse a conduit le peuple bon Dieu vers la terre promise. En pile belle expérience. Moïse fait yo avec bon Dieu, avec le peuple. La mer rouge fend devant yo, manger absorbé dans le ciel pour tomber. Et voilà que même peuple c'est là l'adoré en veau d'or. Exode 32, verset 19, nous lire que les Moïse a vini bon camp. Li wè vodo avec wè peuple la kap danse. Colère Moïse enflammé. Étape de la loi que bon Dieu fait que sur Bali, li brisé yo. Nan pied montagne. Li prend vodo, li boule l'an du feu. Li réduit la poule. Et puis, li répand poule si la, la surface de l'eau. Et puis, il force l'enfant d'Israël yo pour boire ça. Josué 7, parlez-nous de Chèque, dont l'autre grand leader de l'Ancien Testament, il s'agit de Josué. Selon verset 2 et 3 de Josué 7, Josué voyait un bon espion pour aller explorer Haï, et monsieur vient nous dire, ah, ils sont un petit peuple, pas de question pour nous faire tout le peuple à marcher, 2 ou 3 000 hommes, a suffi. Et pourtant, Josué 7, verset 5 dit non, les gens d'Haï. Bâtir Israël, il tue environ 36 hommes et mon yo courir, ti pays ici là, ti la armée d'Aïa, yo poursuivre Israël jusqu'à Shebarim. Et fin verset 5 là dit nous, peuple a été saisi, yo perdu du courage. Josué déchiré, radli, Josué 7, verset 6. Il mettait la genou jusqu'au soir, avec visage contre terre, lui-même. Et les anciens d'Israël, ils ont couvert tête avec poussière. Dans le Nouveau Testament, pas aucun leader qui connaît l'échec de façon plus triste que l'apôtre Pierre. Cette histoire-là, c'est lui-même d'ailleurs qui sortit de la barque pour lui marcher vers Jésus, la Jésus-Rélel.
C'est lui-même qui a identifié Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 6, 13 à 20. C'est un grand témoin de la transfiguration, Matthieu 17, 1 à 8. Mais c'est lui-même tout qui, misérablement, garde le courage pour l'entrer, et pourtant, misérablement, il y échoué. Il est là, enfoncé dans la mer là. Et ça, plus triste dans la vie de Pierre, c'est que Pita, la nuit que il était arrêté là, il niait le Sauveur trois fois, lui-même seul qui portait condamnation ça, qui a une histoire ça. Oh, et mon cap dit, waouh! Un grand apôtre comme Pierre pour l'échouer de façon si triste, si piteuse. À Broubran, l'échec fait partie de la vie. Est-ce qu'on a une histoire d'un gros physicien d'origine allemande qui était Albert Einstein, il était naturalisé suisse et puis il était naturalisé américain? Est-ce qu'on est qu'avant je devine célèbre comme l'auteur de la théorie physique qui aurait la théorie de la relativité que monsieur a appliqué même dans la philosophie, je veux dire, Einstein t'a fait un pile échec, t'es connu un pile échec, même sur le plan académique. Gon directeur de l'école qui mettait lui à l'école là, et on l'autre dit que n'est-ce pas, j'en ai accompli rien dans la ville. Et même l'examen d'entrée à collège, Einstein échoué. Et pourtant, il est devenu si célèbre que les gars ont pris Nobel, les modifié approche de la physique et non lui figuré parmi les génies de l'histoire de l'homme, l'histoire du dernier temps, l'histoire moderne. Est-ce qu'on connaît l'histoire d'un certain Thomas Edison, un grand inventeur américain qui mourut en 1931? Non, ça que tu es capable de déclaration la plus décourageante et la plus terrible d'une institution d'enseignement. Professeur Thomas Edison informé que le titre trop stupide. Bon, ça même qu'il employé pour l'apprendre n'importe quoi. Et pourtant, Edison obtenir dans la ville plus de 1000 brevets, y compris brevets pour phonographe et lampe électrique. Et c'est seul la mort qui fait mon yoke de dire ça. Pas qu'il a assisté au triomphe de cette grande intelligence, de cet homme si intelligent, qui était échoué à un certain moment de la ville. M'a terminé en parlant de Walt Disney, le grand cinéaste américain, qui a renvoyé le journal qui t'employait là, parce que tout le monde manquait invention, manquait créativité. Et pourtant, Walt Disney finit par fonder sa première entreprise d'animation, et putain, bien vite, il mettait fin à lui-même, parce qu'il y échouait. L'aller Hollywood, et film de Walt Disney commence à gagner succès. Et Nexa devenu un monde qui est célèbre dans l'histoire américaine. À un moment ou l'autre de notre vie, on nous fait réfléchir sur le passé. À un moment ou l'autre de notre vie, nous sommes passés par des moments d'échec. Et il y a un seul bagage qui est nous là. C'est parce que le monde te dit nous, parents nous te dit nous, professeurs nous, les amis nous te dit nous, mon cher, faut recommencer. Faut rectifier le tir. Faut recommencer. Et tout à l'heure, je parle avec un jeune universitaire. Il me dit que la réussite, l'échec, l'apprentissage, il fait partie de la vie de chaque jour. Ce sont les bases même qui permettent nous grandir en tant que personne. Et ça fait dans la vie, il dit que mon écrit, ou effacé, ou réécrit, ou effacé, ça fait nous songer parole boileau, et dit concernant mon cap écrit. Ajouter quelquefois, mais souvent retrancher. Est-ce qu'on connaît que 90% de produits que vous lancez sur le marché, ils finissent par échec au commencement? Ils ne jamais par les ventes que le monde qui les fait espérer à première vue et échoué. Cela signifie, mes bien-aimés, que l'échec n'est pas une exception, mais une règle générale. Cependant, qui sont le fait devant l'échec? Pas oublier que tout le monde est grand dans la vie, un grand leader, toujours penser que vous êtes échoué. La différence, c'est quand un leader qui échoue et un leader qui réussit. Vous m'entendez, mes amis, frères et sœurs? La différence entre un monde qui échoue avec un monde qui réussit, entendez, oui? C'est que le monde qui échoue,
ont laissé paralysés par la peur, ils ont plutôt pris la fuite. Alors que ceux qui ont connu, bah même dit, oui, je suis là, qui ont connu un commencement d'échec, sont des gens qui choisissent pour avancer, qui ont fait preuve de ça que nous avons les résiliences, ils ont été collés à croyance et refusé tendre message que eux-mêmes ont échec. Oui, j'ai connu l'échec, mais moi, je ne suis pas un échec. C'est comme ça que vous pensez. Mais le monde qui pas pleuvé, ils ont quoi, c'est eux-mêmes qui échecent. Et malgré le sentiment de rejet, d'incompréhension, d'inadéquation, les commentaires blessants, limite personnelle, leader si la yo, leader efficace, il choisit pour affronter la vague et il trouve le moyen d'arriver à destination. C'est bon, de trois conseils pratiques. Premier, quand même, dans mes sujets ou même qui échoué, pas jamais considérer ni monde, ni réalité abstraite comme responsable de l'échec. Quand vous remarquez que chaque fois mon échoué, vous avez tendance à blâmer l'autre monde. Nous songez à Adam et Ève, vous commencez comme ça. C'est madame dans le comité, beaucoup de témoins qui fait ça. Madame dans même ses serpents. Donc, nous avons tendance à culpabiliser les autres, la guerre responsabilité sur l'autre monde lorsque nous faisons échec dans la vie. Pas oublier, pas faire ça. Pas victimiser. Prends l'autre monde comme. Alors, pas victimiser tête ou comme si on victimouillait. Pas invoquer hasard, destin. Je parle à téléspectateurs haïtiens parce que chaque fois qu'il arrive, il y a un destin, il y a un main derrière nous. Et là, on fait ça, ou privé, on doit avoir les processus d'entrée dans nous-mêmes, d'introspection. Parce que là, on échoue. On doit rentrer dans nous-mêmes pour qui ça fait échouer, qui problème qui vient, au lieu pour blâmer l'autre monde. Et c'est rentrer dans nous-mêmes dans que les psychologues, l'introspection, c'est rentrer dans nous-mêmes qui va permettre qu'on soit capable d'aller de l'avant. Donc, premier bagage, pas blâmer moun, pas la guerre responsabilité chez ou sous le monde, pas parler de hasard, pas parler de destin. Deuxième bagage qu'on a dû faire, considérer chez vous comme des situations provisoires. Moi, mes citations si là de auteur qui est connu, il dit que lorsque les gagnants échouent, mon gars, le gagnant lui-même, les échouent. Vous considérez l'échec là comme un moment passager et non pas comme un fléau qui va le poursuivre pendant toute vie. Les gens qui vont camper même, ils vont dire, ah, je suis là pour ça, je suis de veine, je suis de chance, je ne connais pas qu'à lever. Ils sont fléaux. Mais les gens qui vont réussir, même les tomber, eh bien, ils disent, l'échec c'est là, son situation provisoire, son moment passager. Pas oublier, nous te disons comme ça que tout le monde qui échoue, vous passez par frustration, vous passez par tristesse, vous passez par colère, mais on doit veiller pour que ou pas quitter frustration, ça là, sentiment, si là, émotion, si là, ou pas quitter, c'est vous-même qui dernier mot dans la vie. Yo. Et vous dites tout que l'échec, c'est là, tout là, pour le passé, il n'y a pas qu'à définir moi. Bon Dieu, il y a un plan pour moi-même, bon Dieu, vous me soutenir là, mais il y a plus valeur devant bon Dieu que situation passagère, c'est là. Pas quitter le défini. Troisième bagage que je suggère, c'est mettre en tête que la vie n'est pas facile. C'est pour réaliste. Il y a des gens qui pensent que la vie, c'est un coup de baguette, un compte de fées. Un compte qui fait réussite paraître immédiatement après l'échec. Et ça me dit là, non? Ça me dit. Pour surmonter l'échec, pour vaincre les défis de la vie, il faut consacrer effort, lutte, et comme c'est chrétien, la prière d'eau. Et la fois de l'échec, la page de vie de matin au campé, et nous voit combien de temps que Joseph passait dans souffrance avant lui de devenir ça que le dab devenir. Très souvent, puis le monde l'a dit quoi, parce que, ou seulement je vous dis, oubliez que bon demain, bon après-demain. Et que bon Dieu doit qu'on fait, voulait qu'on fait face à échec ou à situation difficile ou avec des attentes réalistes, compter sur lui-même pour demain. Et dites tout finalement que si vous tombez, il faut relever. Lire en partie de la vie, livre qui concernait
Victor Frankl, son nom que me citait souvent en chair, parce que moi, mes histoires, un psychiatre juif qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, perdu Madame Nier et la plupart des membres de sa famille. C'est une période que majeur bâtiment était fermé au nom Auschwitz, en localité de la Pologne, côté sous Hitler. Allemagne a été créé le plus grand camp de concentration. Et entre 1940 et 1945, un million de Juifs périt là. Et pendant 3 ans, Viktor Frankl était dans ce sens-là, dans la prison là, il a souffert. Il est devenu pourtant le psychiatre le plus célèbre du monde, pas par chance, le fondateur de ça que il est dans thérapie, logothérapie. Côté monsieur dit qu'on s'accueille chaque jour levé. Il a pour dormir, il a pour emprisonner, il a tendu bruit prisonnier qu'après il a pour tuer. Lui-même, il a dit tête que non, mon Dieu, mon plan pour moi-même, et on a venir devant, c'est ma garder soleil là, c'est ma garder, c'est ma pensée à tout ça que je vais faire. Et Frankl quitter pour nous-mêmes cette maxime que je t'ai aimé, finir avec considération à soi. Il dit, attendez, il dit, sacrifier dans la vie, c'est pas ça qui est important. C'est comment nous choisissons pour vivre après sacrifier, non? Mais ça qui est important. D'ailleurs, je vais vous prendre. Tu me dis en français, j'ai gagné dans le texte là. Ce qui nous arrive, ce n'est pas le plus important. Mais c'est comment nous choisissons de vivre après ce qui nous arrive. Voilà la notion la plus importante de la vie. Sacrifier, non? C'est pas ça qui est important dans la vie. Mais accident qui est venu, échec qui est venu, problème qui est venu. La guéola, rejeter, c'est pas ça qui est important dans la vie, mais c'est comment on choisit pour vivre après échec si là. Mais dès mon début au film pour échec là, c'est crier, c'est relever le destin, c'est quoi que papa y a, marcher dans la rue, tout partout, presque comme on le fout, parce que bon, ce papa, je vais me camper, mais il y a des gens qui disent, je dis à ces jours échec là, mais attendre demain. Moun si la qui songe que bon Dieu gagne plan pour eux même après les 70 ans de captivité, bon Dieu te ka continue dit au peuple de Juda, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ça veut dire, il y a un problème, il y a une difficulté, mais il y a un plan pour même pas quitter, échec là, faut oublier que au bon mon Dieu, qui tout puissant, qui plein d'amour, et les gains projets pour même pour bon avenir et de l'espérance. Il y a deux échecs dans le Nouveau Testament que je me fais allusion à eux-mêmes. La conclusion là, c'est Judas avec Pierre, exactement. Les Judas finissent comprendre que le fait faute. Qui ça le fait? Il prend les 30 pièces d'argent, l'aller, il considère peut-être comme une victime, la laisser remettre, et puis sentiment de culpabilité fait là le pan de tête, lui, Matthieu 27, 3 à 5. Mais les pierres ouais, vent fort, la garde des vents, que le pas de concentrer toutes les yeux souvent. Lui commençait à enfoncer, mais il criait, Seigneur, sauve-moi. Et comme nous a dit déjà, Pierre va l'échouer plus tard lorsque le fin renier Jésus-Christ. Mais contrairement à Judas, il prend conscience de chèque. L'île pleurait amèrement. Pierre pleura amèrement. Nous dit la Bible, Matthieu 26, 75. Et il rebondit. À cause de pleurs de repentance, les, eh bien, Pierre pral rebondir, li pral gagnon l'autre vie. Il n'est pas blâmé personne parce qu'il a nié Jésus-Christ, pas blâmé personne parce qu'il n'a pas continué à marcher sur la mer. Il était pour embarrasser là comme événement passager. Il choisit pour le rester avec les autres disciples et pour le rebondir. Il y en a pas que échec Pierre fait pour lui-même, il fait le débarrasser de l'arrogance, les. De autosuffisance, sentiment d'autosuffisance, puis à te penser, il n'y a pas besoin de personne. Il y a l'aile, qui a servi bon Dieu lui-même, aller avec vous-même jusqu'à la mort. Mais Pierre vient à prendre, débarrasser le récit là-haut. Et lorsque l'a écrit l'être Lipita, l'abdimonio, son seul Pierre vivante qui gagne. Approchez-vous de lui, Jésus-Christ, Pierre vivante. Mais Pierre 2, verset 4. Malheureusement, en pile chrétien, en pile leader chrétien, vivre dans la négation, dans nier, dans l'habitude nier que vous êtes vulnérable. Et c'est ça qui fait que lorsque maladie frappe, que maladie est presque menée à la mort, en pile dans le parce que vous pas songé que vous êtes vulnérable. Ce sont des êtres vulnérables que nous sommes, parce que nous sommes humains. Nous devons apprendre à vivre et laisser nous diriger par la puissance du
du Saint-Esprit de Dieu. Parce que même le monde qui a les meilleures intentions, les meilleurs projets au monde, il est tombé. Lorsque vous pensez que vous êtes capable de briser par force, pas. On ne va pas oublier ça. Tomber une fois, réussir un échec, c'est pour une tragédie. La plus grande tragédie, c'est lorsque vous êtes cloué au sol après que vous avez fini de tomber. Parce que vous avez peur pour ne pas échouer de nouveau. Et ça fait le Seigneur a dit à nous tous dans le moment ça. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi. Et pratique tes premières œuvres. Apocalypse 2, verset 5. Donc on m'a parlé à plusieurs mondes qui ont échoué. En plein monde qui ont tendu la coulière. Et après, je me dis, oh, ça, docteur Valse Abdila, c'est la vérité. Il dépointe l'échec en amont, il dépointe l'échec. Non, match que je me fais, il dépointe l'échec. Non, partie, je me fais, il dépointe l'échec dans le business. Je me échoué dans l'amour, je me échoué dans le mariage. Et je me lever. Lève-toi. Que bon Dieu, aide-nous à adopter la réaction convenable lorsque nous échouons échec, à lever, à reprendre le combat de la vie avec les yeux fixés sur Jésus-Christ, fois ça. Et nous a saisi de merveilles que mon Dieu fait nous réaliser. Le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, nous voulons dire notre merci pour attention à l'étude de Soya, étude qui est basée sur chrétien avec échec, comment on doit réagir le échec. Je crois que bon Dieu t'a parlé à vous-même d'une façon très particulière. Et comme c'est le cas, pas renvoyé à demain, les amis. Décision pour aller à la première place en vie, parce que demain, pas pour vous-même. Pas oublier qu'on va m'échouer, mais pas arrêter à terre cloué sur le sol. La gonne à mes bon Dieu, accepter Jésus-Christ comme sauveur, pour qu'on soit capable de recommencer. Partager avec les amis, connaissance ou. Point c'est là où nous sommes présentés à soir. Et comme nous voulons que le programme ça touche le plus grand nombre de gens possible, aidez-nous donc pour que nous ayons plus d'abonnés. Invitez vos amis, vos parents, on peut abonner à la chaîne. Non, bah, vous faites très facilement parce que sur YouTube, sur téléphone ou bien sur computer, vous cherchez YouTube. Et sur page YouTube, là, vous écrit Adonai Baptist Church. Et dès que le nom de chaîne apparaît, Adonai Baptist Church, il y a pour, ou bien on cloche à droite, mot subscribe, ou bien petit flèche là, il y a cliquer sur lui-même et il y a devenir immédiatement membre de la chaîne Adonai Baptist Church. Et ça permet tout même à tout le monde là autour pour avoir accès à tout programme que nous avons déjà et que nous avons continué à lancer. Mais surtout, lorsqu'on contribue à propager la parole de Dieu, on va permettre à tout le monde de faire expérience de progrès spirituel et temporel. Pas oublier que pour l'instant, nous gagnons 3 programmes seulement par semaine après le culte du dimanche matin. Nous gagnons lundi à 9h, mercredi, jeudi à 8h soir et chaque vendredi à 9h. Mais souhaitez-nous gagner le nombre d'abonnés que nous avons gagné dans ce temps-là. Ça nous donne accès à d'autres opportunités. Et nous gagnons un programme mardi soir tôt et jeudi soir. Nous espérons que ça va faire très bientôt avec contribution. Et nous voulons dire merci d'avance parce que vous pouvez engager les gens à choisir la chaîne Adonai Baptist Church et à adopter, à abonner à lui-même. Dans l'histoire que nous allons rencontrer très bientôt, c'est-à-dire vendredi soir, pour répondre à la question sur ça, nous sommes dit là avec l'autre question, nous souhaitons et prier que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.